Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire un déliateur. Donc voilà, il s'agit d'un exercice en fait pour s'échauffer les doigts. Cet exercice de doigts à pratiquer au début de chaque séance de piano va vous permettre de mieux avoir l'instrument dans les doigts, en fait, tout simplement. C'est un peu le tour de chauffe en fait de la session piano. Voilà, on va vraiment commencer par une petite gymnastique de doigts. Donc, il s'agit du premier exercice, puis on va monter, plus ça va se complexifier, et on va pratiquer cet exercice de trois manières différentes. Donc, en fait, au niveau du 1, donc le premier déliateur que nous allons effectuer, on va jouer la note Do, et on va sauter un écart de doigt pour jouer le Mi avec le deuxième doigt. Et ensuite, on va jouer vraiment toutes les notes qui viennent, et à chaque fois, on va monter en gamme petit à petit, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, et après on retourne vers le Do initial, donc quand on fait le Do de l'octave supérieure, on redescend. Donc Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc en fait, c'est cet exercice de doigts tout simplement. Voilà, au lieu de jouer le Do, le Ré, juste après. On va sauter une note à chaque fois. On bascule. Rejouer le déliateur tranquillement en regardant plusieurs fois la vidéo s'il le faut. On essaie de garder une cadence qui soit constante et on s'applique à bien faire sonner le piano. Sol, on s'arrête. Donc pas compliqué, vous voyez, on monte toutes les touches en sautant la première. Donc Do, Mi, Fa, Sol, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Fa, Sol, La, Si, La, Sol, Fa, Mi, Sol, La, Si, Do. Essayez de chanter à chaque fois vraiment le déliateur, histoire d'avoir un flow adéquat au piano. Donc ensuite, on va jouer de manière piquée. Donc là où on jouait de cette manière, de manière legato, tranquille, on va désormais piquer les notes. Piquer, legato. N'essayez pas faire d'erreur. On va basculer, on bascule. Donc on a résolu les deux premières parties. Maintenant on va le faire vraiment de manière assez appuyée. Donc essayez d'aller vraiment jusqu'au fond des notes, au fond des touches. Ce sera plus entraînant, vous allez mettre plus d'impact. Essayez de garder la même constance. On bascule. Essayez de suivre correctement. Donc ça c'est très bien. Désormais, dès qu'on a fait ça, hop, un petit tour dans le logiciel, sinon vous achetez un petit métronome. On va se mettre un métronome assez rapide. Donc le plus rapide. Pardon, j'ai ma souris qui ne fonctionne plus, je suis obligé de le faire sur l'ordinateur. Directement. Voilà, 70 c'est une bonne base pour commencer le déliateur. Bon, pour ma part, je vais mettre. Bon, allez, 74. On va jouer le métronome. On va rentrer dans le rythme dans un premier temps, s'en imprégner. Ouais.
On va pas activer le métronome, c'est en haut à droite, c'est ici que ça se passe dans Ableton. On va les compter. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... C'est de pas faire d'erreur. Vous pouvez vous enregistrer pour voir si vous jouez bien dans le tempo. Bon, pour ma part, je fais la vidéo, donc je suis pas concentré. Ce qui explique que je suis pas tout à fait dans les temps. Si ça vous convient, vous pouvez accélérer le déliateur si vous le souhaitez. Voilà, donc c'était le déliateur numéro 1. Essayez de le jouer sur des rythmes différents. Vous pouvez commencer à 70 et après vous remontez progressivement. Voilà, faut pas que ça soit une performance non plus. Le but, c'est vraiment de jouer le déliateur de manière la manière la plus qualitative possible, bien entendu, puisque c'est une manière de se mettre le piano dans les doigts, et c'est pour un peu l'échauffement, voilà, pour rentrer un petit peu dans le piano, rentrer dans la séance de musique. Donc essayez de le faire vraiment de manière voilà, le plus attentionné possible, et petit à petit, je vous montre, on va monter les déliateurs petit à petit. Bien entendu, il va y avoir des formations qui seront prévues sur le site playamao.fr. Mais ces cours n'ont pas à se substituer à un prof de piano. Si vous souhaitez apprendre le piano, je vais vous montrer à travers mes vidéos, je vais vous partager ma passion à ce sujet-là. Mais si voilà, vous voulez progresser dans le piano, rien ne vaut un prof, une pratique régulière pour progresser en piano. À bientôt pour la prochaine vidéo.